est génial pour faire des glissades, allez viens. Je ne peux pas, Ombre, il faut que j'installe ce truc. Tu parles, tu as la trouille, c'est tout. La trouille? Tu crois que j'ai la trouille, moi? Tu vas voir. Eh oh, les deux patates là-haut, vous voulez bien arrêter un peu vos jeux idiots? Papa, je t'assure, c'est très confortable de dormir dans le désert. Tu sais, après ma dernière aventure, j'aurais pu dormir sur un lit de clous. Quelle aventure? Oh, rien de spécial. Non, ça veut dire quoi exactement? Egokan a kidnappé l'ombre de Farhat, il l'a emprisonné dans une cité souterraine. Ensuite, Farhat a été englouti dans les sables mouvants et... Nom d'une pipe, Tilda, tu es sûre que tu n'as pas reçu un coup de soleil sur la cafetière? Mais non, papa, tout va bien, je t'assure, ne t'inquiète pas. Et puis, je n'ai couru aucun danger, sinon je ne serais pas là pour te le raconter. Oui, papa, tu as tout à fait raison. Mais ne t'inquiète pas, compte sur moi. À l'avenir, je ferai plus attention aux serpents. Mais surtout, je voulais te prévenir que dans 3 jours, nous allons récupérer le 2e fragment du cristal magique. Ah ah, voilà une information. Qu'est-ce qui te permet d'en être aussi sûr? J'ai réussi à déchiffrer l'ancienne carte astrale de Zenan et... Oh! Tilda, qu'est-ce qu'il y a? Tilda! 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 Oh, je suis désolé, je t'ai fait peur. Ah oui, je sais, j'ai tout renversé, mais ne t'inquiète pas, je vais tout remettre en état et tu ne verras même pas la différence. Oh, maintenant ça suffit, j'en ai assez. Couchez. Ce n'est pas un vrai serpent. Tu as raison, mais si mon instinct ne me trompe pas, je parie que je connais son propriétaire. Moi, je trouve que tout ça est très mystérieux. Ce ne sont pas des yeux, mais des fibres optiques. Elles sont reliées à un circuit électronique. Qui transmet les informations à Snarkov. Oui, il a tout vu grâce à ce périscope. Dans ce cas-là, transmettons-lui nos meilleurs sentiments. Comme c'est amusant. Tu peux faire le clown autant que tu veux. J'ai découvert ce que je voulais. Cette information sur la carte est tout à fait intéressante. Et mon ami Egokan en sait bien plus qu'il n'a voulu m'en dire. Je sais comment je peux gagner sa confiance. À vos ordres, votre bassesse! Remplissez un camion citerne avec le pétrole de la meilleure qualité et tenez-vous prêt à partir dans 10 secondes! Et maintenant, on va voir lequel de nous deux est le plus diabolique. Allez, essaie encore! Tu vas pas passer à travers le toit à chaque fois! Non, arrêtez de plaisanter, vous négligez tous votre entraînement! Vous croyez pouvoir vaincre Egokan d'un coup de baguette magique? Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse, ce vieil imbécile? Farhat et moi, on est invincibles, pas vrai, Farhat? Non, Ali a raison, il me reste beaucoup à apprendre. Oh, mais quel rabat-joie! On commençait tout juste à s'amuser. Très bien, Ali. Je suis prêt. Je fais quoi? Très bien. Tu te tends la main pour attraper le Sherryman et Egokan te frappe avec un cyclone. Qu'est-ce que tu fais? Pas mal du tout. Farhat, Tilda, Ali. On est ici. Ah, je suis tellement heureux de vous voir. J'ai bien cru que le désert allait m'engloutir. Je n'avais encore jamais vu une tempête de sable aussi soudaine et aussi brève. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ça alors? Ce sont d'authentiques dromadaires. Comme ils sont disgracieux. C'est un animal merveilleux. Il ne mérite pas ces sarcasmes. Le dromadaire ne fait jamais un pas de travers. Il est plus sûr qu'une charrette. Son esprit est noble et fidèle. Sa force légendaire, son pas ample et gracieux. C'est un ami pour l'homme. Ben, tu es un vrai poète. Je te demande 1000 pardons, Ben. Je ne voulais pas vous offenser, ni toi, ni eux. Puis-je essayer de le monter? Attention, ça peut être très dangereux. Oh, s'il te plaît. Oh, allez, laisse-la essayer. Je vais t'aider. Tiens, prends ça. On appelle ça un knout. Quand tu es prête à partir, frappe-le doucement sur l'encolure en disant « het, het, het ». Ah, ne t'en fais pas, tu t'en remettras, tu verras. J'aimerais en faire de la chair à saucisse, à cause de lui, je serai couverte de bleu. Hmm.
Ne commence pas à te faire des idées, Snarkov. Il faut tout faire pour empêcher Farad de rassembler les fragments du Shariman, et ainsi nous pourrons détruire son pouvoir. C'est le seul moyen pour que je puisse dominer le monde. Et dites-moi, quel est le véritable pouvoir de ce Shariman? Simple curiosité, bien sûr. Snarkov, tu es la créature la plus égoïste et la plus rapace sur cette terre. Vous avez sans doute raison, maître. Mais dites-moi, comment trouvez-vous ce pétrole que je vous ai apporté? C'est le plus pur, jaillit des plus grandes profondeurs. Vous n'en trouverez jamais de meilleur nulle part. Je suis votre très humble serviteur. Comptez sur moi. Ce cristal contient plus d'énergie que toutes les nappes de pétrole que tu pourrais extraire de cette planète pendant toute ta vie. Un simple cristal qui contient une énergie équivalente à des milliards et des milliards de barils de pétrole. Et il ne me coûterait rien, même pas un rouble du tsar. C'est la raison pour laquelle nous devons le détruire, Snarkov. Je suis tout ouïe, ô maître bien-aimé. N'essaie pas de me trahir, Snarkov. Tu es diabolique, astucieux et répugnant. Mais moi, je suis encore pire. Moi, je suis Egokan, et tu ferais bien de t'en souvenir. Maintenant, laisse-moi que je rassemble mes forces avant la prochaine bataille dans laquelle je vaincrai Farad. Bien, maître. J'attendrai vos ordres avec le plus grand respect. Le laboratoire a fabriqué ces graines empoisonnées. Elles sont délicieuses, mais elles provoquent instantanément une profonde torpeur suivie de la mort. Bien. Maintenant, débarrassez-moi de plancher. Il faut que je m'arrange pour que Farad et sa bande ridicule avalent ces graines. Et pendant qu'ils seront inconscients, je m'emparerai de la carte astrale et je mettrai la main sur le cristal magique. Je n'ai pas besoin de l'aide de ce démon imbécile, le soi-disant maître du monde. Je ne connais rien de plus agréable et de plus reposant qu'un long voyage à dos de dromadaire. On se sent en harmonie avec tout l'univers. Moi, ça me martyrise le coccyx et ça me donne une nausée abominable. Je trouve ce moyen de transport tout à fait inadapté. Rien de tel pour se créer des souvenirs, ma jolie. Tu sais, la pose d'un dromadaire, c'est comme son premier amour. Ça ne s'oublie jamais. Tu as malheureusement raison, ce trajet restera inoubliable. Ben, rapporte-nous quelques fruits frais du marché. Bonne idée. Attends, autre chose. Tu vas garder la carte astrale de Zenem. Egokan et Snarkov pensent certainement que je la porte sur moi. Trouve-lui une bonne cachette, d'accord? Le premier fruit est gratuit, mon frère. Et pour les hommes courageux qui, comme toi, ont bravé le désert, le deuxième est gratuit aussi. Vous êtes très généreux. Dans la famille, il faut s'entraider, cher cousin. Comment ça, cousin? Tu n'es pas un Ben Ibab de la famille de Ben Ibib? Si. Moi, je suis Ben Aboub Abébé, ton cousin au troisième degré. Je ne savais pas que j'avais de la famille dans cette région. Y a-t-il un seul endroit où notre clan n'a pas de représentant? Ce que tu dis est vrai. Je suis heureux de faire ta connaissance, cousin. Mais comment m'as-tu reconnu? C'était malheureusement facile, cousin. Ce misérable Snarkov a fait placarder ta photographie partout sur chaque mur de chaque maison de cette ville. Et il a offert une très grosse récompense pour ta capture. C'est vrai? Oh! Voyons, ne t'inquiète pas. Tu es en famille avec moi, tu ne cours aucun danger ici. Alors, qu'est-ce que je vais te faire aujourd'hui? Voyons, il me faudrait quelques dattes et des citrons. Les miens sont les plus beaux du marché. Il te faut autre chose? De petites choses à grignoter. Des graines. J'ai exactement ce qu'il te faut quand on a un petit creux sur la piste. Fais-moi confiance. À qui ferais-je confiance si ce n'est pas à mon propre cousin? Au nom des liens sacrés de la famille, je te prie d'accepter ces quelques fruits comme un modeste cadeau. Oh, je ne peux pas accepter, c'est impossible. Tu ne peux pas refuser un cadeau de ton cousin. Tu es trop généreux. J'étais ravi de faire ta connaissance, cher cousin. Reviens vite me voir. Tout le plaisir a été pour moi. Je ne croyais pas que ce serait aussi facile de tromper ce pauvre idiot.
étoile filante. Les anges ont vu un djinn. C'est quoi un djinn? C'est un genre de petit diable. Selon la tradition, quand on voit une étoile filante, c'est qu'il y en a un qui s'est trop approché du paradis. Mais les anges l'ont repéré à temps. Et ils lui ont lancé des flammes pour lui faire peur. Est-ce qu'il y a des gentils djinns? Certains disent du bien de Gordon. Tu veux me raconter une autre légende? Eh bien, il y a celle du vieux dragon qui essaye de manger la lune et... Le chameau voyage en rêve. Voyage en rêve. Voyage en rêve. Par toutes les tempêtes du désert, vous parlez d'une compagnie stimulante. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune énergie. Je vais être obligé de faire la sieste, moi. Dormez, dormez mes tendres petits agneaux. Dormez pour toujours. Voyons, voyons. Ah, la voilà enfin, la carte astrale. Elle est à moi, Starkov a encore réussi. Oui, non. Et maintenant, le premier fragment du Shariman. Ici, ça ne donne rien. Il doit l'avoir sur lui. Un visage, j'aurais juré avoir vu Starkov. Mais cesse, Starkov! L'alerte! Réveillez-vous, bande de crapauds! Ben, Ben, réveille-toi! Farad! Farad! Oh, je n'aime pas ça, c'est louche tout ça! Les graines! Voyons. Arsenic, strychnine, belladone et un zeste d'orange pour masquer le goût. Oui, c'est délicieux, mais en même temps, c'est le cocktail de poison le plus diabolique que j'ai jamais goûté. Hop! Heureusement que je suis un scorpion! Oh, il faut que je fasse quelque chose et vite encore! Bon, il va me falloir une citerne d'antidote. Oh, voyons, voyons, ces pilules devraient faire l'affaire. Voyons si ça marche. C'est l'heure de l'antidote. Et alors le dragon essaie d'avaler la lune. Ça marche. Ding. J'ai un drôle de goût dans la bouche. Moi aussi. Bienvenue dans le monde des gens réveillés. Mais qu'est-ce qui se passe? Starkov a essayé de vous empoisonner. Il a volé la carte astrale de Zenem. Alors, la carte est rédigée dans un ancien dialecte difficile à déchiffrer, monsieur. Misérable face de babouin, je te donne 2 minutes, pas plus, et ensuite gare à toi. Mais très certainement, oui. Je dois me dépêcher avant qu'Egokan ne découvre mon plan. C'est ma faute, je me suis fait avoir comme un gamin. Je me suis laissé aveugler, j'aurais dû me souvenir qu'il n'y a personne dans ma famille qui s'appelle Ben à bébé. Ce qui est fait est fait. L'important maintenant, c'est de récupérer la carte. Excusez-moi, il faut que je réfléchisse. Ça ne peut pas lui faire de mal. Père, Snarkov fait partie de ces hommes qui sont très dangereux. Il pense qu'il est extrêmement intelligent alors qu'en fait il est stupide. Il pense qu'il est très intelligent alors qu'en fait il est stupide. Mais oui, bien sûr! Snarkov ne détruira pas la carte, il va essayer de l'utiliser. Pour s'emparer du cristal magique. Oui. Il y a un seul endroit au monde où il peut tenter de la faire déchiffrer. La tour de Petroglobe. Évidemment, il n'y a que là. Alors? Eh bien, voyez-vous, la queue de la constellation du Scorpion a changé de position pendant les derniers jours. Les astronomes ne savent pas comment l'expliquer. Et alors, je ne vois pas le rapport. Et celui qui a rédigé le parchemin il y a des centaines d'années avait prévu cette situation astronomique inédite. C'est tout simplement incroyable.
Tout ça est très intéressant, je n'en doute pas. Mais quand est-ce que le cristal magique va réapparaître? Et si j'arrive à déchiffrer les deux dernières lignes, je devrais... Mais alors, qu'est-ce que tu attends, Trépidio? Dépêche-toi! Plus que quelques secondes, monsieur. Hein? C'est bon, maintenant. Nous continuerons cela plus tard. Merci infiniment. Mais monsieur, j'ai trouvé la réponse. Regardez. Mais c'est en Cappadoce. Mais enfin, vas-tu te taire, espèce de bon à rien. Allez, fuis. Dis-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a mentionné le mot Cappadoce? Oh, rien, rien. On faisait juste un petit test de géographie. Et ce crétin me soutenait, mordicus, que Kiev est la capitale de la Cappadoce. Ah oui, vraiment. Tu veux dire qu'il n'est pas vrai que le premier fragment du Chariman réapparaîtra en Cappadoce? Et il n'est pas vrai non plus que tu caches dans ton dos une carte que tu étais censé détruire? Je vous supplie de vous calmer, je peux tout vous expliquer. Tu ne comprends donc pas, mon cher Snarkov. Je pense que tu ignores le mot « comprendre ». Vous autres mortels, vous n'êtes rien. Rien que des pions. Des pions interchangeables pour mon plan grandiose. Pour le plan génial qui prépare mon triomphe sur cette terre et dans l'univers. Pourtant, j'ai essayé de te faire comprendre. Je t'ai prévenu que tu devais m'être fidèle, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Tu dois être puni pour ta trahison. Et maintenant, je vais détruire la seule chose dans tout l'univers qui puisse mettre en danger ma puissance. Non ! C'est qu'un exemple de ce qui se passerait si le monde tombait entre les mains de gens comme Egokan et Snarkov. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut les combattre. La première chose à faire, c'est de trouver où Snarkov a caché la carte. Je pourrais grimper sur la paroi de la tour de Petroglobe, chercher une fenêtre ouverte et puis je pourrais... C'est beaucoup trop risqué. Il vaudrait mieux qu'Ali y aille. Tu crois vraiment que personne ne ferait de commentaires en voyant un scorpion? Ça alors, c'est quoi ça? Oh, c'est justement la carte dont on était en train de parler. Plus exactement, c'est plutôt ce qu'il en reste. Il en manque les trois quarts. On ne trouvera jamais le Chariman avec ce bout de papier. Ça veut dire que tout est fichu. Qu'est-ce que tu fais? J'ai échoué dans ma mission, Tilda. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Libérer mon père et ma mère. Je viens avec vous. Mais c'est justement ce qu'Egokan veut que vous fassiez, il vous tuera. Ça n'a pas d'importance, c'est ce que je dois faire et seul. Attends un petit peu, gamin, tout n'est peut-être pas perdu. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, on peut redessiner la carte. C'est impossible. Ben a raison, réfléchis. La carte est un parchemin qui a plus de 900 ans. Ouais, alors, regarde-moi, j'ai bien 900 ans aussi, et je suis dans une forme olympique. En tout cas, ce n'est pas le parchemin qui compte, c'est l'encre. Tu en es sûr? Mais bien sûr, c'est l'encre magique de mon cher vieux maître. En principe, il devrait m'en rester quelques gouttes quelque part. Alors, voilà. Bravo, toutes mes félicitations. Et on est censé dessiner quoi avec? La carte, bien sûr. J'ai transcrit le diagramme dans l'ordinateur. On n'a qu'à le copier. Oui, très bien, mais sur quoi? Sur le sable! Tu parles sérieusement? Mais tu le sais bien, gamin, c'est là que le vieux l'avait dessiné la première fois. Et comment tu le sais? Ben, je lui ai donné un coup de main, ou un coup de pince, si tu préfères. Très bien, alors mettons-nous au travail. Si tu veux, gamin, mais je vous préviens, faites attention, on ne peut le faire qu'une seule fois, c'est la dernière goutte d'encre qui nous reste. Maintenant que votre fils est mort, à votre tour, je n'ai plus besoin de vous. Quoi? Je sens qu'il est encore vivant et pas loin d'ici.
Lance-toi, ma jolie. Et après tout, tu es une génie en archéologie et en astronomie, c'est pas vrai? Toujours rien de ton côté, Ben. Il n'y a pas un seul grain de sable qui bouge. Oh, oh. Quoi, il y a un problème? Un gros Egokan vient d'apparaître à l'horizon. C'est pas vrai. S'il te plaît, calme-toi. Combien de temps encore? Pas longtemps. Il se rapproche, vite, vite! Il est presque sur nous! Dépêche-toi, Tita! Je ne peux pas faire plus vite! Comment? Ne t'en fais pas, ma jolie! Oh. Fais de ton mieux, on compte sur toi! D'accord! Ombre! Accroche-toi à Ben! Ben, éloigne-toi au maximum! Creuse-toi un trou! Toute vie a maintenant disparu du désert. Une nouvelle ère vient de commencer. Une période de terreur et de mort. Le règne d'Egokan. Farad, Tilda, Ali. C'est les autres, Ben. Je ne sais pas. Farad, la tempête les a emportés. Il faut qu'on les retrouve. Oui, mais où chercher? Suivons notre instinct. Tilda! Allez! C'est inutile. Continuons à chercher. C'est alors, c'est vous! Oh! Regarde! Tilda! Oh. C'est bien toi! Oh oui! Ça va? Indiscutablement sablée, mais entière. Tu as vu Ali? Nous le retrouverons. Et venez voir! Roule, roule, petit anneau. Ali! Ne bouge plus, on va te sortir de là tout de suite. Oui. Je vous ai apporté le journal du matin. Oh, c'est absolument incroyable. Allez, fais un effort. C'est magnifique ce que tu as fait. On dirait l'original. Il nous reste encore à voir si ça marche. Oh, quelle catastrophe! Tout ce bon pétrole gaspillé! Ce maudit Egokan, quel démon! Maintenant, je vais être obligé de faire tout ce qu'il veut! Je vais devoir m'humilier, implorer son pardon, gaspiller des millions de barils de bon pétrole! Ah! La vie est tellement injuste! C'est parti. Il tourne, il tourne. Oui. Ça marche. La carte confirme que le deuxième fragment du Shariman apparaîtra en Cappadoce dans 36 heures, 11 minutes et 7 secondes. C'est génial. T'es vraiment la meilleure. Viens, si je te fais un petit bisou. Génial. Merci. À ma connaissance, il y a très peu de jeunes filles qui peuvent se vanter d'avoir été embrassées par un scorpion.